Cabriès accueillait ce week-end la Coupe mondiale de fleuret des cadets qui rassemblait près de 300 participants de moins de 17 ans venus de nombreux pays. L'occasion de rencontrer Erwan Auclin, jeune prodige du fleuret français, il a longtemps pratiqué au sein du Marseillais Scrim Club. Grâce à sa récente 3e place par équipe en championnat du monde, il vient d'intégrer le Pôle France de Lille en septembre. Une décision qu'approuve son ancien entraîneur. Il y a un groupe de cadets exceptionnels dans sa génération. Et le maître Boulanger, qui est responsable du pôle à Wattignies, a eu la chance de les voir tous postuler en même temps. Et donc il fallait le faire pour rester dans le bon groupe. Erwan a des qualités extraordinaires. J'espère qu'un jour on le verra au plus haut niveau. Maintenant, en disant ça, je ne suis pas impartial. Donc c'est peut-être le cœur qui parle. Mais je crois qu'il a tout d'un grand. Un avis partagé par le papa d'Erwan qui l'accompagne souvent lors des compétitions. Il a un entourage familial qui l'aide. Il a des entraîneurs qui l'apprécient, qui apprécient son travail. Donc je pense que s'il continue comme ça, vous avez vraiment le futur champion du monde et le champion olympique des années à venir. Des louanges méritées, puisqu'Erwan est aujourd'hui le meilleur cadet français et dans le top 4 des juniors français. Un tableau presque idyllique que nuance le responsable du Pôle France. La qualité, c'est qu'il a du talent, et son défaut, c'est qu'il a aussi du talent. C'est-à-dire qu'il joue sur les deux tableaux. Et donc ça amène un certain détachement au niveau des compétitions. On peut le prendre pour en fait quelqu'un d'un peu, si je peux m'exprimer ainsi, un peu branleur. S'il apprend un peu avec détachement, ce qui fait qu'il a une aisance à faire des perfs, il a une aisance dans l'entraînement, même s'il faut toujours bien le cadrer de manière à ce qu'il ne s'écarte pas des objectifs fixés. Et l'objectif du jour, c'est de battre son adversaire pour accéder au second tour de la coupe. Avant le match, le jeune homme est plutôt détendu. Je sais pas, j'aime pas être vraiment dans mon monde et parler à personne. Je suis obligé de parler, de discuter. Enfin, ça me permet de me détendre et comme ça j'arrive mieux, un peu plus confiant sur la piste. En fait, c'est ta façon de te concentrer. Ah, voilà, en fait, c'est ça. Je me concentre de cette façon. Une technique originale qui semble bien lui réussir puisqu'il domine le match 15-3. Timide face aux caméras, l'athlète affiche une ambition mesurée. L'équipe de France senior, t'y penses ? Non, pas encore. Ah non, non, c'est trop élevé encore. Alors à quoi tu penses ? C'est quoi tes objectifs ? Ah non, moi c'est équipe de France cadet et peut-être équipe de France junior pour les mondes. Pour parvenir à ses fins, Erwan Auclin devra briller lors des championnats d'Europe de Porec en Croatie au mois de mars prochain.